Alors bonjour tout le monde, petite vidéo du lundi, je suis désolé, je suis très en retard parce que premier lundi du mois on va faire des courses, etc. etc. En plus là, je viens de passer 1 heure sur mon four, j'ai mon condensateur qui m'a à première vue qui nous lâche. J'ai été voir les prix, il y en a pour pas loin de 40 euros. Ça fait un peu mal au cul. Par contre, je voudrais dire à un dénommé Eric, il va se reconnaître. C'est pas ma femme qui t'a viré de son de mon Facebook, c'est moi qui t'a viré de ton Facebook. Déjà d'une, tu vas chercher des informations sur un site à la Normalneuve. Et deuxièmement, t'as été agressé quelqu'un en message privé, une de nos contacts en message privé. J'apprécie pas du tout la plaisanterie. Donc voilà, donc c'est pas Virginie qui t'a viré, c'est moi qui t'a viré. Donc il faudra peut-être arrêter le délire, d'accord? Voilà, et surtout les mensonges. Quand j'ai vu ce que t'as partagé, on a été voir la page, hein. C'est du fake, mais bien quoi. Hein, ça c'est comme, il y en a qui disent que j'ai vu ça, ça traîne sur Facebook, par laquelle le pape a été arrêté par la police pour crime contre l'humanité. Non mais réfléchissez quoi. 2 minutes, réfléchissez 2 minutes quoi. Voilà. Bon, enfin bref. Alors, comme d'habitude, on va faire. Alors, en ce moment, c'est la série entre le PC, l'alimentation du PC qui crame. Ça fait que je me retrouve avec un écran seulement sur deux parce que l'alimentation est limite pour faire du bon boulot. Là, le four qui commence à nous lâcher, folklo. Alors, Kevin, Pierre-André, Patrick, le 15. 9, 10, 11, 12. Et nous avons le jugement en droit. Jean-Marie Dolly. Médor, c'est ça, oui, c'est ça. Médor, Médor. Oui, c'est Médor. J'ai mal écrit. Et Violette, le 8. La tour en verre. Destruction. Florence, Martine, Patricia, le 3. La mort en verre. Pas de changement. Myriam, Marie-Lou, le 16. 13, 14, 16. La papesse en verre. Nicole, Marie, Stéphane, Véronique, Clarence, le 7. Le soleil en droit. Delphine, Sophie, Émilie, Daniel, Margot, le 1. Frustration. Ben, en même temps, c'est un peu ça, hein. Il y a les étoiles en vert. Nathalie Levent. 19, 20. Le monde, la roue en vert. Édouard, Nadia, le 9. Le char en vert. Brigitte, Christiane, Monique, Jean-Pierre, Dominique, Blanchette, le 5. Et nous avons l'empereur en droit. Alors par rapport à mes cartes, par rapport à mes ressentis personnels, là, on va me dire qu'il y a un peu trop de lumière, voilà. Hein? Ah, de toute façon, en même temps, c'est vrai que tout ce qu'on fait est critiqué. Donc moi, qu'est-ce que je vois par rapport à mon jeu, par rapport à mes sentiments? Moi, j'ai le sentiment que les gens sont en train de bouillir, ils en ont ras-le-bol, ils sont toujours en train de se plaindre. Mais personne ne bouge, quoi. C'est comment je pourrais expliquer ça?
Ça me rappelle une petite histoire toute simple, je vais vous la raconter. Comme dans toutes les maisons, il y a des alarmes incendie. Et on va dire, bah tiens, on va voir comment réagissent nos enfants. À l'époque, on avait encore les enfants de Virginie. Donc à 23h30 ou minuit, un truc comme ça, je prends un balai, je déclenche l'alarme et je vais me mettre dans la chambre. On descend. Et là, personne ne descend. Pas un seul gamin descend. Donc, au bout de 10 minutes, je monte. Au bout de 10 minutes que ça gueule, je monte. Et là, je dis, vous entendez pas l'alarme incendie? Ah si si, bah qu'est-ce que vous attendez? Et là, ils me répondent pas, ils descendent. Les quatre. Je regarde les deux plus grands, je fais. Vous attendiez quoi? Il y avait l'alarme qui sonnait, il y avait le feu, mais vous restiez couché. Et là, j'ai Valentin qui me sort. J'ai Tintin qui me sort. Oui, mais j'attendais que Alan bouge. D'accord? Et Alan, pourquoi t'es pas descendu? Bah parce que j'attendais que Valentin bouge. Florent, t'attendais quoi? Ah bah que les deux ils bougent. Après je vois la dernière crevette. Et toi crevette? Ben moi j'ai pas entendu. Elle avait pas entendu l'alarme. Pourtant elle est juste à côté. Hein. Pour dire le sommeil qu'elle a un sommeil lourd. Voilà. Les Français c'est ça. Voilà. Pourquoi je dis ça? Ben, tout simplement les Français j'ai l'impression que c'est ça. Ah bah ben, tant que mon voisin il bouge pas, moi je bouge pas. Voilà. En train d'attendre que les autres bougent pour que bougez vous pour que les autres bougent. Dans un an, on y est encore. Hein. C'est clair. Il y a du changement qui est en préparation. Là, en l'occurrence, par exemple, les bars de Paris et puis la petite couronne vont être fermés pendant 15 jours minimum. Donc là, je vous raconte pas. Voilà. Mais ça ne bouge pas. Puis là, à mon avis, les gens vont commencer à dire, bah tiens, oui. Attends, dans tel temps, on est à Noël, on va peut-être commencer à préparer Noël, hein. Ah oui, mais on est dans la merde, mais c'est pas grave, hein, on va préparer Noël. Bah, c'est pas en pensant comme ça qu'on va avancer. Le français est un râleur qui ne bouge pas. C'est con, mais c'est vrai. Donc voilà pour la France, moi je vois que, malheureusement, bah, le confinement, de toute façon, on y va tout doucement, mais on va y aller au confinement général. Là, il y a de grandes chances que ça pète parce que les gens vont dire, ah non, mais je veux pas être confiné, hein. Hein, j'en ai rien à foutre des autres, moi je veux pas être confiné, hein. Bah, s'ils sont malades, j'en ai rien à foutre, hein. Le problème, il est là, quoi. Tout le monde se regarde le nombril en disant, faut peut-être que les autres bougent pour que je bouge. Ah oui, mais si tout le monde pense pareil, ah bah, vous pouvez attendre, hein. Ça risque pas de bouger, quoi. Vous imaginez, vous êtes dans une baraque en feu. Il y a l'alarme qui se met en route, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ah ouais, mais moi je bouge pas parce que l'autre il bouge pas à côté là. Il reste chez lui, bah, il reste dans son pieu. Eh ben je bouge pas. Hein. Bah oui, j'ai cramé, mais c'est pas grave, il bouge pas. Je vois pourquoi je bougerais. Hein. Bah c'est un peu ça ce qui se passe à l'heure actuelle avec les gros problèmes qu'il y a en France, personne ne bouge. Voilà. Donc bah, on est un peu au point mort. Il y a destruction, mais personne se préoccupe de ça. Tout le monde voit son petite assiette avec son assiette de pâtes, avec sa tranche de jambon. Eh ben c'est bon quoi, j'ai à manger. Mon petit nombril, attendez, bougez pas, mon petit nombril, eh ben il va bien. Ça va? Bah tout le monde va bien alors. Le monde est beau, le monde est rose. Vous avez de la chance, j'ai pas mon pif. Je vous rappelle que en France, il y a plus de 7 millions de chômeurs, il y a un déficit du PIB de 136%, il y a 6 500 000 familles mal logées, il y a plus de près de 200 000 SDF, les entreprises se barrent à l'étranger. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter encore? Que là, Macron va s'attaquer gentiment
Et là, à mon avis, personne ne va encore bouger en disant c'est une fatalité. Va s'attaquer aux aides sociales. La preuve, vous voyez comment ils cherchent de l'argent, parce que maintenant, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais à partir d'un certain. Ça va bientôt se mettre en place d'ailleurs. Vous irez aux urgences pour X raisons, bah vous allez payer de votre poche 18 euros. Voilà. Même si vous avez une mutuelle, hein, même si vous êtes assuré, vous avez une mutuelle, vous allez payer de votre poche 18 euros. Donc si vous alliez pour une coupure sur le doigt, et ben vous allez casquer 8, 18 euros. Faut savoir que là, il y a quand même un truc important au point de vue du Covid-19. Je suis tombé, j'ai écouté quoi, les 2 minutes, et je suis tombé pile poil dessus à ce moment qu'il en a parlé. Ça cache quand même quelque chose, parce que toutes les opérations prévues dans les hôpitaux ont été annulées. Par exemple, la pose d'une prothèse de fémur. Toutes les opérations qui peuvent être reportées sont reportées à X temps. D'accord, vous voyez? Il y a quelque chose, il y a anguille sous roche. Ils s'attendent à une grosse vague de décès, de personnes qui seront contaminées du Covid-19 et qui se retrouvent à l'hôpital. Pour reculer toutes les opérations comme ça, sauf les opérations urgentes, accidents, etc., etc., les gros blessés, oui, là, ils vont intervenir. Mais si c'est une opération qui est déjà programmée, elle est déprogrammée pour éviter d'engorger la réa dans tous les hôpitaux de France. Ça cache quelque chose. Vous croyez pas? Maintenant, je dis ça, je dis rien, je sais que je vais avoir les anti-masques et ceux qui disent oui, le virus n'existe pas sur le dos, mais c'est pas grave. Je m'en fous, j'ai l'habitude, hein. Pour moi, c'est les. C'est des gens qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez, et c'est bien dommage. Donc, les amis, faites pareil, hein. Ouvrez les œillères, regardez ce qui se passe autour de vous, écoutez ce qui se passe autour de vous. Ne restez pas les deux pieds dans le même sabot. Voilà. Je vais faire sur le monde le deuxième tirage, parce que je vais vous avouer que ça m'a tracassé énormément cette nuit, parce que je suis toujours en train d'essayer d'analyser les choses par rapport à mes prédictions que je fais maintenant. Il y a, je sais pas, il y a quelque chose qui me plaît pas. Voilà. Il y a trop de tensions dans le monde. Il y a entre Erdogan, qui s'en branle avec la Grèce, les Ukrainiens qui en reprennent plein la gueule, etc., etc., ça commence à faire un peu beaucoup, quoi. Alors, Jacqueline le 13. 13. Le soleil en vert. Sylvie le 19. La tempérance envers. Agnès Noël le 4. La force en droit. J'avais peur de cette carte et bande-là. Ludovic et Kate le 11. La mort envers. Martine, Coralie, Fabrice, Renzo, le 17. La roue en vert. Stéphanie, le 6. L'ermite en vert. Evelyne, le 21.
Le fou en vert. Marino Stéphane, le 22. Le pape en droit. Aurel Denis, le 12. La papesse en droit. Je remercie Caramel qui m'avait donné le 14, Pascal, Jannick le 10, Geneviève et Françoise le 2, mais j'en ai pas eu besoin. Ce sera pour une prochaine fois, les amis. Moi, par rapport à ce que je ressens, par rapport au monde entier, ce qui se passe dans le monde entier, on est sur une poudrière. Pour moi, c'est ça, on est sur une poudrière. Il y a trop de tensions dans le monde entier, il y a trop de misère dans le monde. Regardez la Grèce, ils sont dans une mer de noir, mais c'est pas grave, ils ont quand même acheté 14 Rafales. Pourquoi? Parce qu'il y a la Turquie qui leur pète les couilles, façon de parler. Erdogan qui veut attaquer en disant oui, Jérusalem est notre ville. C'est-à-dire aux musulmans, notre ville aux musulmans. Je vous rappelle que Jérusalem, c'est la ville où toutes les religions monothéistes, c'est-à-dire juives, chrétiennes et musulmanes, sont parties. Donc voilà. C'est pas une ville musulmane, une ville ou une ville chrétienne ou une ville juive, c'est les trois réunis. C'est le berceau de la religion monothéiste. Des religions monothéistes. Point. Donc maintenant, c'est aux gens, par rapport à leur religion, de vivre en bonne harmonie là-bas. Seul problème, c'est que ça a toujours été, depuis plus de 60 ans, ça a toujours été la guerre entre juifs et musulmans. Hein. En même temps, en passant, je rappelle que nos chers musulmans, il y a eu quand même des escadrons musulmans qui ont combattu aux côtés d'Hitler. Je dis ça, je dis rien. Voilà. Donc moi, ça sent la poudre, voilà, ça sent la poudre un peu partout en France, dans le monde. En France, ça sent la poudre, mais voilà, personne ne bouge. En Europe, c'est pareil, ça sent la poudre. Moi, je suis sûr et certain que malheureusement, et là, Nostradamus, quelque part, je crois qu'il a bien vu en disant qu'un de ces quatre, dans les années 2020-2025, entre 2020 et 2025, malheureusement, il y aura la Troisième Guerre mondiale. Et ça, on n'y échappera pas. Ce que j'ai peur, c'est que la Turquie s'attaque à la France. De toute façon, il va déjà s'attaquer à la Grèce. Et comme la France veut protéger la Grèce, et ben la France va attaquer la Turquie, ce qui va engendrer que l'Iran va protéger la Turquie, qui va attaquer la France. Enfin, ouais, vous voyez un peu. Et ça va faire boule de neige. Ça va partir vraiment en cacahuète. Donc voilà ce que je voulais dire. On est sur une situation malheureusement très dramatique dans le monde entier, que ce soit le Covid-19, que ce soit les tensions entre les pays, et ça va finir par péter. Voilà. Voilà ce que je voulais dire. Bah, je vous donne rendez-vous ce soir à 20h sur cabinetmedium.fr. Tout à l'heure, je fais un live le temps que la vidéo s'enregistre et on va dire à 3h30, je ferai un petit live pour qu'on parle de tout ça. Sur ce, à plus.